L'AFC, c'est Kabila. Que l'AFC, c'est pas seulement Nanga qui c'est Kabila. Moi, je crois que c'est même une des raisons qui m'amène à dire que le chef de l'État, nous devons plus le protéger. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que c'est la première des institutions et l'institution qui constitue le socle de toutes les institutions. Est-ce que le chef de l'État, dans la position qu'il a aujourd'hui, en tant que garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, doit-il à ce jour tenir des propos qui tendent peut-être à pouvoir créer un certain clivage et une certaine division au sein de la nation? Je ne crois pas que ce soit forcément indiqué. Le chef de l'État nous fait savoir que c'est Kabila qui serait derrière le AFC, ou bien je sais pas quoi, l'AFC. Il est l'homme le plus informé de la République, c'est lui qui gère tous les services de renseignement de la République. Je crois qu'il est plus informé que moi et vous. Il ne l'a pas dit en vain, il l'a dit certainement en fonction des informations qu'il reçoit de ses services de sécurité. Mais est-ce que cela valait-il vraiment la peine de pouvoir le dire sur les antennes? La République démocratique du Congo traverse une période assez importante de son histoire. Pour le moment, nous sommes en train de vivre une période trouble, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un procès s'est ouvert, un procès qui n'a pas duré longtemps. La plupart des accusés ont été condamnés à la peine capitale, à saisine des biens et bien d'autres condamnations. On va faire un retour sur ce procès qui a fait couler encre et salive. Mesdames et messieurs, nous parlerons, nous reviendrons également dans ce numéro d'Entre les lignes sur l'interview du chef de l'État accordée à nos confrères d'un média de la place. On parlera également justement d'une affaire qui a également défrayé la chronique le week-end dernier. C'est celui où Maître Oscar Moubiayi a subi une certaine injustice selon ses propres termes. On y reviendra avec un professionnel de droit pour pouvoir en parler et il va justement donner son avis, un avis scientifique à ce propos. Merci à toutes et à tous de votre attention, de votre soutien indéfectible que vous nous témoignez, que vous ne cessez de nous témoigner chaque jour. Nous recevons, comme vous le savez, depuis un moment, Maître Samuel Nkunku, il devient de plus en plus notre invité permanent et donc un fils maison. Il est avec nous pour justement échanger autour des questions que nous avons citées tantôt. Maître Nkunku, bienvenue une nouvelle fois et merci de votre fidélité à votre émission Entre Lignes. Merci beaucoup Dan, merci de m'avoir convié encore une fois de plus à prendre part à ton prestigieux plateau. Encore une fois de plus, je me mets à ta disposition pour rencontrer les questions d'actualité de l'heure. Merci beaucoup, Maître Samuel Nkunku. D'entrée des jeux, je l'ai dit, messieurs, dames, on va aborder l'interview du président Tshisekedi accordée à Bruxelles, à nos confrères d'un média de la place. Plusieurs aspects ont été évoqués. On va d'abord commencer par celui qui a retenu l'attention de beaucoup de juristes et des professionnels de droit, celui justement de la désignation des gouverneurs de province. Le chef de l'État souhaite changer le mode, donc d'obtention ou de désignation, pardon, des gouverneurs des provinces. Pour lui, les élections ne suffisent pas. Les élections suscitent le clanisme, le tribalisme et tous les maux qui vont avec. Est-ce que cette procédure proposée par le chef de l'État est-elle idéale? Maître Samuel Nkunku, quel est votre avis à ce sujet sur le mode d'accession des gouverneurs au poste de responsabilité? Merci beaucoup, très cher Dan, encore une fois de plus pour la parole que vous m'accordez. Alors, comme vous l'avez dit tantôt, le président de la République a évoqué une question qui ne cesse de le préoccuper par rapport au développement des provinces et des entités territoriales décentralisées, qui exige à ce jour à ce que les animateurs mis en place soient élus et non désignés par le pouvoir central, constitue pour les présidents de la République un blocage au développement des provinces. Je dirais, quant à moi, que ça peut être
une raison, mais pas une raison entière ou totale en soi, qui constitue ce blocage du développement des provinces. Le législateur congolais a voulu accorder aux provinces une certaine autonomie, ce qui fait du Congo un pays à forme d'État régionalisé. Alors, les animateurs des institutions en province que nous connaissons, il y a deux grandes institutions en province. C'est d'abord les assemblées provinciales et l'exécutif provincial qui est chapeauté par le gouverneur de province. Et le gouverneur de province qui est élu par les représentants ou les députés provinciaux qui représentent carrément les peuples au niveau des provinces. Alors, ceci a été voulu par les législateurs congolais afin de pouvoir accorder aux provinces une certaine autonomie, question de pouvoir préparer en soi la République démocratique du Congo au fédéralisme, qui est considéré comme étant une des formes de l'État qui puisse être adaptée à des pays à dimension gigantesque. Comme le Congo. Vous dites préparer la République démocratique du Congo au fédéralisme. Exactement, au fédéralisme. Parce qu'en soi, compte tenu du caractère immense de notre territoire, il serait totalement difficile et voire compliqué de pouvoir avoir qu'un seul point d'impulsion qui soit la capitale. Ça veut dire que le régionalisme présenterait des faiblesses non adaptées justement à... Ceci ne représente pas forcément des faiblesses. Voilà pourquoi nous avons la forme de l'État de notre pays est presque une forme hybride. Donc nous prenons certains éléments de la décentralisation et de la forme unitaire de l'État et ça pondu la forme de l'État que nous avons actuellement. Alors, la plus grande difficulté, pour en venir à votre question, c'est au niveau des animateurs des dites institutions. En soi, les institutions sont fortes, c'est uniquement par les personnes qui les animent. Les institutions ne sont pas fortes par elles-mêmes. Une institution sans une personne forte qui l'anime est appelée à disparaître. Mais nous constatons que les institutions en province sont fortement politisées par le pouvoir central à Kinshasa. Voilà pourquoi nous constatons qu'à un moment donné, que cet interventionnisme du pouvoir central dans les provinces constitue à ces jours un certain clientélisme dans le chef. On constate un certain clientélisme dans le chef des animateurs en province qui fait à ce que lorsque on est élu en province comme étant animateur de l'exécutif, plus particulièrement, on se retrouve être uniquement redevable à celui qui vous a placé là. Et dans le cas d'espèce, ce n'est pas seulement les députés provinciaux qui les placent là, mais c'est sous un mot d'ordre qui est dicté par le pouvoir central. Alors, lorsqu'une personne se sent pas rédivable des députés provinciaux desquels il émane, il y a une guerre qui s'installe entre les députés provinciaux qui élisent le gouverneur et les gouverneurs qui exécutent le plan du pouvoir central. Alors vous inscrivez en faux carrément tout ce que le chef de l'État a dit. Pour lui, la désignation des gouverneurs par les députés provinciaux renforce ou est à la base de beaucoup d'antivaleurs, la corruption notamment, le tribalisme, le régionalisme, le clientélisme et tous ces antivaleurs pour le chef de l'État. Ceci pourrait être à la base, mais ceci ne constitue pas en soi ce blocage irrémédiable qui empêche aux provinces de pouvoir se développer. Pourquoi? Je dirais pour commencer, nous savons que la plupart des gouverneurs, quoique émanant des assemblées provinciales, elles subissent à un moment donné des mots d'ordre venant de leur formation politique. Et c'est en fonction de ça que le pouvoir central est en mesure de pouvoir utiliser certaines manœuvres pour emmener à la tête de certaines provinces les personnes qu'elles désirent. Donc pour vous, les gouverneurs ne sont pas totalement libres de leur mouvement. Et ils ne sont pas totalement libres. Je donne l'exemple, la législature passée. Non seulement les gouverneurs, mais même les députés provinciaux censés élire, ils reçoivent des mots d'ordre du pouvoir central. Bien entendu, ils reçoivent des mots, pas seulement du pouvoir central, ils reçoivent le mot d'ordre de leur famille politique et qui est dans la plupart des cas la famille politique proche du pouvoir central. C'est de ceux-là qu'ils reçoivent des mots d'ordre. Et lorsqu'ils reçoivent des mots d'ordre, ils se retrouvent souvent en difficulté lorsqu'ils ne savent pas répondre aux desiderata et aux besoins de certains députés provinciaux à un des moments qui sont paupérisés et qui veulent être entretenus de manière un peu parallèle par les gouverneurs, parce que c'est le gouverneur qui gère. Et en entre-temps, vous avez un gouverneur de province qui ne répond que du chef de l'État ou du pouvoir central. Quelle est la différence, faites-vous, entre une assemblée provinciale qui est
dominé par une famille politique, et un mot d'ordre que cette assemblée provinciale recevrait, parce que nous disons la démocratie c'est la loi de la majorité, ça veut dire entendu. Si une assemblée est dominée par exemple par l'union sacrée de la nation, la voie des conséquences c'est que mot d'ordre ou pas, le gouverneur sera issu de l'union sacrée. Maintenant, quelle est la différence à ce niveau-là qu'on peut, comment détecter qu'ici il y a eu mot d'ordre et ici, il y a eu élection démocratique. Comment le savoir? Ben, c'est très difficile de détecter cela. Pourquoi? Parce que quand on est dans les partis politiques, on marche selon une certaine discipline. Chaque parti politique a une discipline qu'il maintient, pour pouvoir maintenir l'ordre dans ses troupes. Alors, lorsqu'il y a un mot d'ordre qui est dicté au niveau de du directoire d'un parti politique, donnant des injonctions à l'heure aux élus émanant de leur liste, ces derniers sont obligés de pouvoir exécuter les mots d'ordre de leur parti. C'est à ces niveaux-là que nous constatons que ne peut être élu gouverneur de province que celui qui émane non seulement de la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale, mais cette majorité-là est certainement soutenue par une famille politique. Mais quand est-il des exceptions que nous constatons, par exemple dans certaines provinces de l'Itourie, où vous avez un indépendant qui gagne les élections au détriment des candidats issus de la famille dont est issue la majorité provinciale. Est-ce que là, on peut dire aussi que le mot d'ordre a été donné ou pas? Parce que ce n'est pas le candidat désigné par la famille politique qui gagne, c'est un indépendant. Comment on peut interpréter cela? En soi, il faut d'abord retenir aussi que le mandat d'un représentant du peuple, c'est un mandat qui est au départ général. Lorsqu'on a un mandat en tant que représentant du peuple, son mandat n'est pas un mandat qui te lie forcément à ton parti. Les députés, lorsqu'il est appelé à élire un dirigeant, il est fait en âme et conscience, en toute indépendance. Alors, il peut arriver dans certains cas qu'il y ait certaines assemblées où certains députés veulent user de leur indépendance. Mais là, nous le constatons uniquement dans des provinces où il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Nous savons que dans ces pays, nous avons des provinces à enjeux. Et nous avons des provinces que je ne vais pas dire oubliées où on laisse les choses se dérouler de manière un peu plus normale. Mais il y a des provinces en jeu où il y a seulement un mot d'ordre qui est donné, tout simplement. Mais qu'est-ce que vous suggérez à votre niveau pour justement, d'une part, répondre à la volonté du chef de l'État de mettre fin à ses antivaleurs, et d'autre part, répondre à votre demande, à vous, de libérer les députés provinciaux des mots d'ordre des familles politiques. Qu'est-ce que vous suggérez? Le problème du Congo, c'est un problème à la base d'hommes. C'est un problème d'hommes. Il serait difficile ici de mettre en place des stratégies pour des résultats à court terme. C'est très compliqué. Aujourd'hui, les assemblées provinciales deviennent carrément des cours où on y vit de la haute corruption et au vu et au su de tout le monde. Ça serait vraiment très compliqué. Pourquoi? Parce que nous voyons tout simplement que le souci du politique de pouvoir remplir certaines responsabilités des personnes qui lui sont proches emmène à un moment donné à certains députés de pouvoir être à la merci de certains soudoyeurs et d'obtenir de ces derniers certains avantages comme une certaine désignation, une certaine élection. Moi, je crois que les solutions au stade actuel seraient d'abord de pouvoir tout simplement conscientiser les personnes qui sont appelées tout simplement à pouvoir remplir ce genre de fonctions. Ils doivent être conscients. C'est une question de moralité. Face aux questions de moralité, qu'est-ce qu'on pourrait face aux questions de moralité? La moralité, sont des histoires que nous apprenons avant d'arriver à assumer ce genre de responsabilité. Lorsqu'on doit moraliser la classe politique à ce stade de responsabilité, c'est très compliqué. C'est un problème sociétal qu'il faudra résoudre tout simplement à la base. Nous pensions à un moment donné que c'était lié à un régime, mais la réalité nous amène à voir que le problème n'est pas lié à un régime ou à une administration, mais plutôt le problème est lié plutôt au Congolais lui-même en personne. Je donne l'exemple de la législature passée. Il y a eu la majorité des dirigeants en province, c'était ceux-là qui émanaient de la coalition FCC-CACH. Et nous dirons carrément que cette majorité des gouverneurs, à un moment, a été totalement renversée. Et pourquoi cette majorité avait... Par quels moyens cette majorité avait totalement été renversée au niveau de toutes les responsabilités en province? Comment est-ce que cette majorité a été renversée si ce n'est que par des, par des moyens illicites que nous n'aimerions pas évoquer sur un plateau de télé? Alors, ce genre de pratiques nous emmènent tout simplement à dire que le problème, il est profond et il ne peut être résolu que sur le plan sociétal. Si seulement il pourrait aussi appartenir peut-être
au parquet ou au procureur qui a la plénitude de l'action publique de pouvoir dénicher certains actes de corruption, quoique ce n'est pas facile de pouvoir le faire dans ces secteurs-là parce qu'il y a vraiment absence pratiquement de preuves palpables. Et que pensez-vous maintenant de l'acte, de la proposition du chef de l'État, justement, de pouvoir passer à la désignation, qu'on sorte du carcan de l'élection, parce que pour lui, ce n'est pas un mode idéal. Alors, Maître Samuel Nkonko, dites-nous, est-ce que le fait que nous ayons des élections telles que nous les connaissons aujourd'hui, ça ne perpétue pas la tradition des gouverneurs originaires, ce qui renforce le clanisme, les régionalismes, ce que dénonce le chef de l'État? Moi, je crois que le problème doit être posé de manière un peu plus sérieuse. Vous savez, les questions liées aux ethnies, aux tribus, au reste, sont des questions de longue durée. Elles ne peuvent pas constituer un obstacle presque infranchissable pour le développement des provinces. Non, je crois que le problème doit être posé au fond. Quelle est la difficulté pour le développement des provinces? Les difficultés pour le développement des provinces peuvent être connues ou sont déjà connues. Elles sont d'ordre plus liées aux infrastructures, reliant les villes aux autres villes, les provinces aux autres provinces. Parce que le développement en soi doit partir à la base. Et je ne vois pas quelle est cette influence politique qui puisse empêcher le pouvoir central ou ses représentants en province de pouvoir accorder un développement aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Je crois que voilà pourquoi il a été mis en place le programme des 145 territoires. Je crois que ce programme des 145 territoires, c'est pour rencontrer réellement les difficultés liées au développement des provinces. Lorsque je préfère encore plus inviter les chefs de l'État à pouvoir se concentrer sur ce programme qu'il a mis en place, plutôt que de vouloir chercher certains autres astuces liées aux politiques pour pouvoir nommer certains gouverneurs de province. Je crois que le gouverneur de province... La forme de l'État que nous avons actuellement et les mots de désignation des six animateurs... Non, ça ne constitue en rien le blocage des développements de province. Moi, je vous dirais bien au contraire que nous avons une des meilleures constitutions qui puisse être dans le monde. Nous avons une des meilleures constitutions. Peut-être que prochainement, à une occasion peut-être plus élaborée, on en parlera. Mais notre constitution est une des meilleures constitution dans le monde. Voilà. La constitution est encore et toujours la bien constitution. Exactement. Certains l'appellent la constitution des belligérants. Constitution des belligérants, accord de l'émirat, ainsi de suite. Alors, évoluons dans les interviews du chef de l'État. Quelque part, le chef de l'État parlait de l'opposition. L'opposition notamment incarnée par certains leaders. Il a cité Fayoulou, il a cité Katumbi, il a cité Mouzito, Mukwege, il a cité Kabila également. Il dit Joseph Kabila a boycotté les élections et prépare une insurrection. L'AFC, c'est lui. Quel est votre avis à cette déclaration, par rapport à cette déclaration? Merci beaucoup, Dan, pour votre question. Je crois que, comme tout le monde, nous avons suivi la dernière sortie du président de la République, qui était peut-être une sortie qui visait à pouvoir taire certaines rumeurs dans certains camps politiques, question de pouvoir faire voir à l'opinion nationale que le chef de l'État allait bien. Mais moi, je crois que c'était une sortie qui, en tant que Congolais patriote attaché aux valeurs républicaines, je crois que c'était une sortie qui n'en valait vraiment pas la peine. Pourquoi? Parce que, en tant que républicain, comme je le disais bientôt, je tiens fortement à la redynamisation de nos institutions, non seulement ça, mais surtout à la protection de la première institution du pays qui est le président de la République. C'est notre président de la République, que nous l'ayons voté ou pas, ou que nous l'aimions ou pas, c'est notre première institution et nous sommes appelés à le protéger. Et moi, j'ai eu plus l'impression que c'était une apparition plus... je ne vais pas appeler polémique, mais c'était plutôt une apparition pour pouvoir rencontrer certaines rumeurs qui s'est développée sur la toile. Je crois que le président de la République n'en a pas besoin. Notre président a besoin plus d'être protégé et nous avons plus besoin de le sentir plutôt que de le voir.
Alors, la forme de l'État de notre pays est une forme qui fait du chef de l'État plus un impulseur, la personne qui donne plus l'impulsion, mais la personne qui travaille, c'est le gouvernement. Quoique nous avons constaté depuis un certain moment, depuis que Matata Ponyo n'existe pas, carrément il a emporté avec la primature s'est carrément effacée. Nous ne sentons plus l'existence d'un premier ministre dans ce pays depuis que Matata Ponyo n'est plus aux affaires. Alors pour revenir, il fut un modèle, hein, Matata Ponyo. Matata Ponyo fut un modèle, nous devons l'admettre, que nous le voulions ou pas, qu'il soit d'une frange politique que nous aimons ou pas. Matata fut un modèle et sous le temps de Matata, nous avons eu des acquis très importants qui ont pu quand même redorer l'image du pays sur le plan social et sur le plan économique. Moi, j'ai souvent dit, si seulement Matata pouvait rester jusqu'à ce jour, nous parlerions un autre langage. Parce que Matata, ce n'était pas un politique comme tel. Matata, c'était un technocrate. C'était quelqu'un qui agissait plus et qui parlait moins. Déjà qu'il était premier ministre d'un chef d'État qui ne parlait pas du tout. Alors lui, on le voyait plus dans les œuvres. Mais suite aux calculs et aux arrangements politiques, il est arrivé à un moment donné qu'il fallait qu'il soit mis à l'écart. Mais nous avons constaté que ces arrangements politiques ont constitué carrément ce que j'appelle à ces jours un frein au développement de notre pays. Il fut l'un des meilleurs premiers ministres. Un des meilleurs, si pas le meilleur. Matata Ponyo, je ne cesserai de le dire, c'est pas le meilleur, mais un des meilleurs. Sous Matata Ponyo, nous avons connu malgré stabilité. Tout ce qu'il a sur lui comme accusation, dossier judiciaire, détournement de plusieurs millions de dollars. Vous savez, c'est quand même assez beaucoup. Hein. Vous savez que nous n'encourageons pas tous ces genres de détournements, mais sous réserve de tout ce qu'il y a eu, nous croyons qu'en tant que peuple, ce que nous voyons, c'est les résultats. Le résultat que Matata Ponyo a produit. Non, nous n'encourageons pas le vol. Ouais. Jamais nous n'encouragerons le vol. Nous n'encourageons pas le vol. Le résultat prime sur le vol. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, monsieur Dan. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vais pas ici affirmer que le vol, c'est une antivaleur. Et en tant qu'un homme et en tant qu'avocat, je ne peux pas prôner des antivaleurs. Je ne peux pas prôner des antivaleurs. Moi, je parle des acquis. Je parle du résultat. Les questions liées au prétendu détournement qu'il y a eu, ce sont des questions d'ordre judiciaire. Peut-être on pourra les aborder à une émission plus élaborée. On pourra parler de la procédure qui a fait que jusqu'à ce jour, Matata Ponyo n'arrive toujours pas à en répondre devant les juridictions congolaises. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tantôt par rapport à la sortie du chef de l'État... L'AFC, c'est Kabila. L'AFC serait le président de la République... Non, c'est pas l'ancien président de la République... C'est pas serait. Le chef de l'État a dit c'est lui. C'est ce que je veux dire tantôt. Ce sont les propos du chef de l'État qui j'essaye de pouvoir commenter avec votre permission, bien entendu. Que l'AFC, c'est Kabila. Que l'AFC, c'est pas seulement Nanga qui c'est Kabila. Moi, je crois que c'est même une des raisons qui m'amène à dire que le chef de l'État, nous devons plus le protéger. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que. C'est la première des institutions et l'institution qui constitue le socle de toutes les institutions. Est-ce que le chef de l'État, dans la position qu'il a aujourd'hui, en tant que garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, doit-il, à ce jour, tenir des propos qui tendent peut-être à pouvoir créer un certain clivage et une certaine division au sein de la nation? Je ne crois pas que ce soit forcément indiqué. Le chef de l'État nous fait savoir que c'est Kabila qui serait derrière le AFC, ou bien, je ne sais pas quoi, l'AFC, il est l'homme le plus informé de la République. C'est lui qui gère tous les services de renseignement de la République. Je crois qu'il est plus informé que moi et vous. Il ne l'a pas dit en vain. Il l'a dit certainement en fonction des informations qu'il reçoit de ses services de sécurité. Mais est-ce que cela valait-il vraiment la peine de pouvoir le dire sur les antennes? Pourquoi? Parce que là, il y a d'abord premièrement une question de gestion d'informations. C'est qui le président? Joseph Kabila? C'est le sénateur à vie, c'est l'ancien président de la République de notre pays. C'est quelqu'un qui a fait au pouvoir 18 ans. C'est quelqu'un qui a légué à l'administration, au régime actuel, des institutions que lui n'a pas trouvées quand il est arrivé en 2001. C'est quelqu'un qui, de par tout ce que je viens de dire, a acquis à une certaine expérience. Il a fait face à une certaine pression et interne et externe qui a abouti au changement, à des élections qui ont amené une alternance que ce pays n'a jamais connue. Une telle personne, il est encore préférable de la voir avec elle que contre elle. Pourquoi je le dis? Vous savez,
Nous sommes encore une jeune démocratie et nos institutions sont en train de connaître une certaine mutation. Le chef de l'État a plus ou moins tapé à côté. Si je ne dirais pas qu'il a tapé à côté. Permettez-moi de poursuivre mon enchaînement. Je vais chuter par ce que vous dites. Nous sommes encore en train de vivre une certaine mutation des institutions. Aujourd'hui, nous avons la classe politique qui a été carrément promue par l'ancienne administration. Nous avons le système sécuritaire qui a été carrément promu par l'ancienne administration. Nous avons l'appareil sécuritaire, politique, judiciaire de ces pays qui a été promu par l'ancienne administration. Un très bon bilan de Kabila. Je ne dirais pas forcément un très bon bilan, ça peut être discutable. C'est mais pourquoi je le mets à son compte? Je l'évoque pourquoi? Parce qu'une telle personne peut, par un certain claquement de doigts, créer une instabilité dans ce pays. Comment ça? Comment est-ce qu'il pourrait créer une instabilité? Je le dis tantôt que la classe politique actuelle, l'appareil judiciaire, l'appareil sécuritaire, qui est l'appareil politique de ce pays, que nous avons actuellement, a été promu par le Sénat, par l'ancien président de la République. Aujourd'hui, nous avons une mise en place d'un nouveau régime et la mutation des animateurs de ces institutions est encore en train de connaître une certaine... Je me trompe ou je vous remets en question les propos du chef de l'État? J'essaye de remettre en question non seulement les propos du chef de l'État, mais je veux plutôt plus m'adresser à l'équipe communicationnelle du chef de l'État. Je crois qu'il n'a pas une sortie ratée. Hein? Je ne vais pas emprunter vos mots, il s'agit du président de la République. Non, je pose la question, c'est une sortie ratée selon vous? C'est une sortie qui... Ou réussie. C'est une sortie qui n'en valait pas la peine. Pourquoi? Parce que les retombées de cette sortie du chef de l'État sont des retombées qui ternissent plus son image plutôt de pouvoir l'ascenser. À quel niveau? À quel niveau? À quel niveau nous l'avons dit? Son image est éternée à travers cette interview. Je crois que moi et vous, nous voyons, nous essayons de lire jour et nuit tout ce qui s'est dit sur la toile qui est aujourd'hui une source ou un canal d'information aux heures actuelles. Nous essayons de lire et nous voyons les réactions au fait. Le chef de l'État, quand il sort, quand il fait des sorties, il ne les fait pas par plaisir, il ne les fait pas pour satisfaire un certain camp ou pouvoir répondre à certaines rumeurs. Le chef de l'État ne sort pas pour répondre aux rumeurs. Lorsque le chef de l'État sort, il sort pour communiquer. Mais moi et vous, si seulement nous devons nous poser la question, si le chef de l'État a communiqué sur quoi d'essentiel, on aura des questions. La question risque de rester pendante et on n'aura pas compris qu'est-ce qu'a apporté sur le plan concret la sortie du chef de l'État. Ça a apporté quoi? Bien au contraire, ça pue carrément... Vous conseillerez au chef de l'État... Par cette interview. Si seulement j'aurais pu être consulté préalablement, essayant de donner mon avis, j'aurais pas voulu cela. Pourquoi? Parce que quelques jours avant, il y a la présidence de la République qui a pondu un communiqué nous faisant savoir que le chef de l'État ne se portait pas bien et qu'il était en déplacement à l'étranger pour pouvoir rencontrer son médecin pour des raisons de santé. Moi, je crois que les jours qui ont suivi, demander à quelqu'un pour qui vous avez communiqué qu'il s'est déplacé pour raison de santé. Voilà pourquoi il n'était pas à Kisangani lors du Genecost. Il s'est déplacé pour raison de santé. Pourquoi demander à une personne importante comme un chef de l'État qui s'est déplacé pour des raisons de santé? Nous avons plus besoin du chef de l'État, bien portant, que de le voir dans des situations où il exposerait, de par certains discours, peut-être l'unité nationale. C'est quoi la bonne attitude pour un chef de l'État? Celle d'être un taiseux, comme Joseph Kabila, ou celle d'être... chef de comme Félix Tshisekedi qui de temps en temps communique plus que son prédécesseur? Quelle est la bonne attitude? Je comprends la position adoptée par le président de la République actuellement. Je pourrais comprendre peut-être avec l'ancien, sous son premier mandat, il avait avec lui peut-être une coalition avec qui il devait faire chemin, qui n'était pas forcément de son obédience. Voilà pourquoi il communiquait plus. Pourquoi? Parce que il ne détenait pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale qui a eu à désigner un gouverneur et qui a désigné un premier ministre, voulais-je dire plutôt. Alors actuellement, le président de la République a une majorité acquise à sa cause. Moi, je crois que il serait préférable alors qu'il puisse plus laisser les fonctions primo-ministérielles au Premier ministre, de les remplir en toute responsabilité et de pouvoir lui être rédévable de manière peut-être un peu comme le fait Joseph Kabila. Bon, un peu effacé, plus parce que nous avons... Effacé.
nous avons un peu plus besoin de sentir le chef de l'État plutôt que de le voir. Nous avons plus besoin de le sentir. Et on le sent comment? On va le sentir uniquement dans les œuvres. On doit le sentir carrément dans le panier de la ménagère. On doit le sentir carrément dans la situation sécuritaire à l'est du pays. Nous devons plus le sentir plutôt que de le voir prendre parole. Exactement. Comme faisait Kabila. Donc pour vous, la bonne attitude, c'est celle de Joseph Kabila qui parlait moins que celle qu'actuellement le chef de l'État. Pour vous, ce n'est pas une bonne attitude. Alors, parmi les sujets évoqués par le chef de l'État, il y a également le pouvoir d'achat ainsi que l'inflation. Il dit « Je dors et je me réveille en pensant au peuple congolais, j'en prends même sur ma santé tellement, c'est le premier de mes soucis. » Le chef a parlé également de sabotage, de tous ceux qui détiennent l'économie congolaise entre leurs mains. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des expatriés. Et donc, il est possible qu'on fasse des actes, qu'ils prennent des actions de sabotage de l'économie nationale. Votre avis? Bon, c'est comme je l'ai dit tantôt, nous avons plus besoin de voir, de sentir le chef de l'État plutôt que de pouvoir... Tout ce qu'il a dit ne vous a pas... Si, nous, en tant que Congolais, quand je vois le chef de l'État passer faire une sortie, je suis intéressé en tant qu'analyste et en tant que aussi compatriote, je suis intéressé à savoir ce que le chef de l'État dit. Mais la question liée au panier de la ménagère ou au pouvoir d'achat du Congolais, c'est une question qui existe depuis la nuit de temps. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que nous souhaitons sentir le chef de l'État sur des questions comme ça. C'est pour cela qu'il existe un gouvernement. C'est quoi l'objectif du gouvernement? Ils ne sont pas là pour rien. C'est pour cela qu'il existe des conseils de ministres. C'est pour relever des questions comme ça. Au niveau et en relevant des questions comme ça, nous avons plus besoin de voir des résolutions et de voir l'application de ces résolutions. C'est uniquement fond, ça qui pourra changer la condition. Au niveau du fond, vous n'avez pas tellement été séduit. Au niveau du fond de cette interview, au niveau de la forme, vous avez été content de voir le chef en bonne santé. Ce que nous ne voulons pas, c'est un chapelet des bonnes intentions. Nous ne voulons pas que ça s'apparente à ça. Le Congolais est arrivé à un stade où il a besoin plus de sentir la présence des dirigeants qu'il a lui-même désigné, qu'il a lui-même élu. Et ce Congolais n'a besoin de ça, pas par des formes, pas par des discours. Le Congolais a besoin de sentir cela, c'est par des actions. C'est par des actions. Oui, c'était bien bon de pouvoir sentir le chef de l'État pouvoir évoquer des questions pareilles, mais nous souhaitons plus de voir des questions pareilles être évoquées dans des conseils des ministres et que des résolutions importantes soient prises de manière à emmener les personnes sur qui pèsent ces charges-là à répondre aux besoins et aux désiderata du peuple congolais qui n'a que faire de toutes nos querelles politiques et qui n'attend tout simplement que l'amélioration de son panier et de sa situation sociale. D'accord. Toujours au chapitre insécurité, le chef dit « Il n'y a pas de négociations en cours avec Kigali, mais seulement des discussions. J'ai testé leur bonne foi, je n'y crois plus du tout. Maintenant, c'est la pression. » Le chef dit qu'il ne va pas négocier, mais il va plutôt discuter. Parler avec Kagame pour lui demander, Monsieur Kagame, pourquoi, que voulez-vous à mon pays? Il dit également, au grand jamais, tant que je serai président, j'aurai en face de moi le M23 ou l'AFC. Votre commentaire? Je crois, je continue à saluer peut-être la position du chef de l'État. C'était un discours qui était de nature à pouvoir renforcer les troupes. Quand je parle de troupes, je parle de nous les compatriotes et je parle aussi de nos compatriotes qui ne cessent de pouvoir œuvrer pour obtenir la paix à l'est du pays. Mais je veux aussi rappeler cependant que il est souvent difficile de pouvoir gagner une guerre sans pour autant négocier. Les voies de négociation, ce sont des voies prévues pour pouvoir régler certains conflits. Difficile. Et dans les cas... Oui, difficile, mais... Vous savez, comme je l'ai dit, je ne cesse de le dire sur vos plateaux, une guerre qu'on ne sait pas anéantir, un ennemi qu'on ne sait pas anéantir, on négocie avec lui. Mais ici, le chef de l'État, oui. Sans pour autant vous arrêter, maître, mais comment dire, l'M23, l'AFC est classé comme étant un groupe terroriste par le gouvernement congolais, sanctionné par les États-Unis, sur la liste noire des États-Unis d'Amérique. Oui. Il y a un principe international selon lequel on ne négocie pas avec les terroristes. Oui. Alors, vous pensez que ce n'est pas une bonne posture pour vous? On devrait négocier avec les terroristes? Nous,
Les négociations ici ne doivent pas porter forcément avec les terroristes. Je crois qu'il y a deux processus qui ont été mis en place, le processus de Nairobi et le processus de Luanda, je crois, qui vient d'être lancé il y a 2 semaines. Ce sont les deux cadres au travers desquels les discussions doivent se poursuivre de manière à pouvoir obtenir la désescalade de la question sécuritaire à l'est du pays. J'inviterai le chef de l'État, je continue à renforcer, parce que le but poursuivi par le chef de l'État, c'est de ne pas obtenir de solution conjoncturelle. Il sait qu'en négociant avec le M23 ou les forces armées en intérieur, la difficulté sera laquelle, c'est que tout simplement, on va se retrouver dans un éternel recommencement. Parce qu'avant d'avoir le M23, nous avions le CNDP. Avant le CNDP, nous avions le RCD, ainsi de suite. On risque de se retrouver après le M23 avec un autre mouvement rebelle qui portera un autre nom. Voilà pourquoi le chef de l'État ne préfère pas régler cette situation avec les groupes armés au niveau du pays. Il préfère régler ça avec leurs parrains. C'est une bonne posture, c'est un C'est une très bonne posture. Pourquoi? Parce que là, c'est pouvoir endiguer le problème dans son fond. On essaye de pouvoir le régler dans son fond. Parce que tant qu'on n'aura pas eu à pouvoir rencontrer réellement le problème de fond de la question sécuritaire de l'Est, tout ce que nous voyons, MV3, CNDP, tout, ce sont que de questions conjoncturelles. La question est un peu plus complexe parce que, vu la façon dont elle paraît, d'une part, les rapports des Nations Unies indiquent que l'Ouganda également, parmi les États qui soutiennent l'M23, d'autre part, nous avons justement les M23 eux-mêmes qui disent ne pas se reconnaître dans les négociations de Luanda et disent qu'ils ne reconnaissent pas le Rwanda comme étant leur parrain, vice-versa pour le Rwanda, le Rwanda qui refuse, qui dit qu'il n'a pas des hommes sous le terrain. Devant ce problème, comment mener à bien les négociations? Bon, c'est là que j'étais en train de dire que la sortie du chef de l'État devrait être très encadrée par son équipe de communication avec des questions préalables, des questions importantes discutées préalablement. La rhétorique que nous devons avoir ou que le chef d'État doit avoir sur la question de la résolution de l'Est devra être une rhétorique intransigeante et une rhétorique droite. Nous nous retrouvons dans une situation où nous avons deux discours. Nous avons une guerre, soi-disant, d'agression avec les Rwandais. Soi-disant. Bien entendu. Parce qu'à sa dernière sortie, nous avons senti que le chef de l'État a dit que le M23 et l'AFC, c'était Kabila. C'est le même discours que Kagame tient de l'autre côté. Pour lui, la question de l'Est, c'est une question congolo-congolaise. C'est une question congolo-congolaise. Alors que nous savons que les groupes armés à l'Est du pays sont soutenus comme pour parrain les pays frontaliers à l'Est de notre pays. Alors, je crois que... C'est pas un discours cohérent, selon vous. Bon, c'est là que je ne cesse de dire que l'équipe communicationnelle du chef de l'État doit jouer réellement leur rôle. Le rôle, c'est de pouvoir obtenir un discours qui soit de nature à pouvoir nous faire passer pour réellement des gens qui comprennent les enjeux. La République démocratique du Congo, c'est un pays à enjeux stratégiques énormes. Et lorsque l'on est chef d'État de la République démocratique du Congo, on est appelé à gérer des pressions non seulement en interne, mais en externe aussi. La même difficulté que rencontre le chef d'État actuel, c'est la même difficulté qu'a rencontré son prédécesseur. Mais comme il y avait un discours de haine qui avait été dressé contre son prédécesseur, pensant et faisant croire au peuple que le problème c'était sa personne, aujourd'hui, son prédécesseur n'étant plus là, on constate que le problème n'était pas sa tête. Le problème, c'est le système qui existe. Le problème, c'est le système qui existe. C'est le système qui existe. Le système qui existe. Auquel il faut faire face. Mais les proches du président actuel disent que si ça n'avance pas, c'est Kabila qui a préparé, qui était l'artisan de cette balkanisation, qui a ouvert la voie à la balkanisation, qui a signé des accords, qui a mixé dans l'armée. Si notre armée n'arrive pas à ramener la paix jusque-là, c'est parce qu'il y a des traîtres, et ces traîtres sont arrivés dans l'armée justement à cause de l'ancien président. Donc il serait de connivence avec l'ennemi pour justement amener le pays à la balkanisation. Pour eux, ils insistent pour dire qu'il est l'homme de la balkanisation. Ce sont ces genres de discours que j'appelle populistes qui ne valent pas la peine, qui font à ce que, à ce jour, le chef de l'État se retrouve dans une situation où nous ne savons pas si nous avançons ou nous reculons.
Pour faire la petite histoire. Pour faire la petite histoire. Pour faire la petite histoire. Son prédécesseur arrive au pouvoir en 2001. Le pays se retrouve avec 3 ou 4 administrations militaires, politiques et consorts. Il fallait faire une il fallait partir et installer ce que nous avions appelé les accords de Sand City, qui ont donné lieu à un certain gouvernement de transition qui nous a emmené aux élections. Et tout ce processus était parrainé par ce que nous appelons le CIEC, le Comité international d'accompagnement de la transition, qui avait exigé dans ses résolutions que toutes les armées qui appartenaient aux différentes administrations, parce que la République était pratiquement administrée en 4, vous aviez le MLC d'un côté, le RCD d'un côté, vous avez les forces gouvernementales de notre côté, et il fallait faire une unité de toutes ces forces administratives, militaires et politiques. Et ce n'était pas que c'était une injonction donnée par son prédécesseur, non. Nous sommes passés par une situation de crise très profonde qui a emmené la communauté internationale à nous imposer ce schéma. Le 1 plus 4 que nous avons connu dans ces pays, je crois que j'ai l'impression que certaines personnes commencent à oublier, nous avons connu dans ces pays 1 plus 4. Ce schéma-là n'a jamais existé dans le monde. Il nous a été imposé par la communauté internationale. Ce brassage que nous avons connu dans l'armée nous a été imposé par cette même communauté internationale. Est-ce que Bila était pour ceux-là, ceux qui, les proches du de chef de l'État actuel, la famille politique, Joseph Kabila, a été celui qui était à la manette, c'est lui qui avait la classe politique, la gouvernance de la République. Donc il a accepté ce schéma-là. Et donc, mais le faire porter le chapeau à une seule personne, à la base de ce problème, faire porter le chapeau, voilà pourquoi les débats doivent être les débats d'idées et non pas les débats d'individus, parce que les débats d'individus n'apportent pas des solutions. On a fait longtemps des débats d'individus, ça avançait la République en quoi? Faire porter les chapeaux à une seule personne, ça fait avancer la République en quoi? Parce que 6 ans après, il n'est pas là. Mais nous constatons que les mêmes problèmes que Kabila a connus en son temps, c'est les mêmes problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Doit-on continuer à faire ces débats d'hommes ou un débat d'idées? Je crois que la question reste... On doit faire table rasa sous toutes les erreurs du passé. Faire table rasa, vous voulez dire quoi par là? C'est-à-dire tout ce qui a été fait de compromettant, on doit tourner la page et avancer. Mais lorsque l'on parle de développement d'un pays, un pays, c'est la continuité de l'État. Son prédécesseur, il a aussi un acquis de ceux qui sont venus avant lui. L'actuel a un acquis de son prédécesseur. Et en 2028, celui qui viendra après va aussi recevoir l'acquis de ce qu'il y a actuellement. Alors la solution ne serait pas celle de pouvoir se mettre à faire porter des chapeaux ou de responsabiliser les gens. La solution serait plutôt celle de pouvoir rencontrer les problèmes réellement sérieux. Le problème réellement... Comment procéder pour résoudre ce problème? Moi j'ai toujours dit qu'on doit arrêter de pouvoir considérer la classe politique doit arrêter de considérer ce pays comme étant un gâteau à pouvoir se partager. Nous avons l'impression que lorsqu'il y a une administration qui passe, il y a une nouvelle qui revient et elle veut faire table rase de ce qui a été fait avant. Conséquence, nous n'avançons pas et nous reculons. Voilà pourquoi il serait plus important pour notre jeune démocratie. Parce que je l'ai dit tantôt, la classe politique actuelle, c'est laquelle? C'est la même avec laquelle qui a travaillé Kabila. C'est la même. C'est la même. Mais pourquoi on va se mettre à continuer à faire porter le chapeau à une personne alors qu'on peut ensemble se mettre et se réunir pour pouvoir trouver des solutions afin de pouvoir ressortir le peuple de cette situation? Mais c'est qui est perdant dans cette situation? Très cher Dan, je vous assure aujourd'hui, en cas de crise sérieuse dans ces pays, il y a certains qui vont traverser ce boulevard jusqu'à l'aéroport, ils prennent Air France et SN. Moi et vous, on sera placés en se cachant derrière nos fauteuils. Voilà pourquoi il serait plus important que l'intérêt suprême du peuple puisse primer sur toute autre forme de considération afin que le peuple l'emporte au-dessus. Maître Samuel Konko, la régie nous informe qu'on a épuisé toutes nos minutes. On va mettre fin à l'émission, une belle émission que beaucoup aiment, mais on doit malheureusement, il y a des points qui n'ont pas été abordés. Une dernière question, peut-être pour ramasser les points qui n'ont pas été abordés. La question de la justice, la peine de mort, les jeunes qui ont attaqué la résidence de l'ancien président Joseph Kabila, ceux qui ont également attaqué le palais du peuple, certains sont condamnés à mort, d'autres acquittés. L'Union européenne s'est prononcée à ce sujet pour dire que la peine de mort est une sentence rétrograde qui n'honore pas la dignité humaine. Quel est votre avis à ce sujet? Bon, je crois que le Congo est un pays indépendant et un pays souverain qui n'a pas à recevoir des injonctions ou des dictats des pays
qui ont le même rang sur le plan constitutionnel que lui. Je crois que il y a des mesures qui ont été prises au niveau de nos juridictions, retenant la peine des morts contre certains infracteurs. Je crois que une chose est de prononcer la peine de mort, l'application de l'appel des morts est une autre phase de choses. Je crois qu'à ce stade, les mesures qui ont été prises par nos juridictions, ce sont des mesures peut-être judiciaires, impulsées par l'actuel ministre de la Justice, qui vise à pouvoir utiliser son secteur de manière à pouvoir apporter aussi sa part de contribution dans la résolution des questions de l'Est plus particulièrement, où nous voyons plusieurs personnes pouvoir s'aventurer dans le secteur de la rébellion. De ce côté-là, nous pensons que dans le cadre de sa politique, nous le soutenons, mais nous voulons qu'il puisse résoudre les questions judiciaires, le problème de l'appareil judiciaire constitue aussi une épine dans le chef du chef de l'État, dans le chef du chef de l'État et du peuple congolais, dans le sens où l'appareil judiciaire congolais, comme le dit des chefs d'État, est malade. Et pour rencontrer les problèmes de l'appareil judiciaire, j'inviterai plutôt l'actuel ministre de la Justice de pouvoir tenir des états généraux de la justice et de pouvoir, ensemble avec certains experts, couler certaines résolutions de manière à pouvoir rencontrer réellement la question épineuse qui empêche aux Congolais de pouvoir vivre à la vie de justice, qui est d'abord l'accès à la justice, qui est le problème de corruption, qui est le problème lié à l'applicabilité des lois dans notre pays, aussi à la prise en charge des animateurs de l'appareil judiciaire. Peut-être qu'à l'occasion d'une émission élaborée, on pourra mieux aborder toutes ces questions. Affaire qui concerne Maître Moubiaye, qui n'a pas été permis de plaider. Oui. Parce que appartenant à une juridiction qui n'est autre que à un barreau plutôt autre qu'un barreau national, un barreau de Lille en France, on l'a pas permis de pouvoir justement plaider une cause. Votre avis à ce sujet? Par rapport à Maître Moubiaye, pour qui j'exprime aussi une certaine compassion et sympathie sur le plan confraternel, je crois que la question se pose à deux volets. Les barreaux sont des structures qui gèrent les avocats. Et nous sommes régis par une loi qui est la loi de 1979, qui porte organisation et fonctionnement du barreau et du corps défenseur judiciaire. À cette loi aussi, nous avons d'autres actes réglementaires, comme les règlements intérieurs cadres des barreaux et les règlements aussi intérieurs de chaque barreau. Alors, pour le cas de Maître Biaï, je crois que nous les soutenons dans le sens où, en tant que Congolais, je crois qu'il lui appartient à lui de pouvoir prouver qu'il y a eu un accord de réciprocité entre le barreau, son barreau d'appartenance et un des barreaux du Congo. C'est partant de ça que plus facilement il pourrait plaider en République démocratique du Congo. Pour les avocats qui ne sont pas du ressort de la ville de Kinshasa, de deux barreaux de la ville de Kinshasa, je crois que la loi, elle est claire. L'avocat a une compétence nationale. De par l'article 5 et l'article 6 de la loi de 1979, la loi portant organisation du barreau, fait de l'avocat non seulement lui accorde non seulement le monopole de la représentation, mais reconnaît à l'avocat le droit de pouvoir plaider devant toutes les juridictions de la République, à l'exception de la Cour suprême de justice sous son ancien format pour certaines matières. Alors pour ces avocats-là qui ne sont pas du ressort de la ville où ils vont aller plaider, il y a des pratiques qui sont d'usage partout, qui est celui de pouvoir présenter des civilités devant les présidents des juridictions auxquelles leur affaire sera appelée, et aussi de pouvoir obtenir, de pouvoir aussi présenter des visibilités aux bâtonniers du ressort de la cour ou bien du milieu où son affaire sera traitée. Et ça, c'est fait de manière à pouvoir protéger l'avocat pour d'éventuels incidents si seulement il y en aurait. Alors, pour pouvoir chuter, je voulais dire ceci, que peut-être que la position du barreau, des deux barreaux de Kinshasa, c'est une position qui est peut-être de nature à pouvoir préserver le prestige de notre corps, parce que nous savons qu'il y a certains avocats qui se livrent peut-être à une certaine liberté, oubliant que l'avocat est attaché à son barreau. Mais je crois que il a, comme chaque avocat, comme chaque Congolais, les conseils de l'ordre qui tiennent les disciplines de chaque barreau sont aussi soumis à la loi comme tous les Congolais. Je crois que il serait encore préférable de pouvoir appliquer la loi telle qu'elle est édictée, qui est celui de pouvoir laisser l'avocat prester devant toutes les juridictions. D'ailleurs, le juge devant laquelle l'affaire concernant l'avocat est appelée n'est pas lié aux questions d'ordre déontologique. Mais l'avocat peut répondre en question d'ordre déontologique devant un barreau
auquel il est allé plaider une affaire dans son ressort. Alors, je crois que pour Maître Mbiayi, il lui appartient à lui de pouvoir apporter cette preuve de réciprocité. Et pour les avocats qui sont d'autres barreaux que celui de Kinshasa et de Matete, ils sont soumis plus à cet usage qui veut à ce qu'ils présentent des civilités pour de cas ponctuels. Mais lorsqu'ils veulent s'installer à perpétuelle demeure, ils sont appelés à pouvoir obtenir l'inscription complémentaire auprès du barreau où ils sont appelés à pouvoir prester régulièrement. Voilà. Merci beaucoup Maître Samuel Nkonko, avocat au barreau de Lubumbashi, mais également analyste des questions d'actualité. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Dan. Merci également à Marthe Mbombo qui a réalisé l'émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À très bientôt. Ouf. On a fait quoi?